Salut tout le monde, c'est Max sur Twitch, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Far Cry Primal. Donc la dernière fois on s'était laissé avec elle qui était blessée et on devait aller chercher des plantes. Donc on y va tout de suite. Ça fait déjà une semaine que j'ai pas joué au jeu. Et c'est un peu chiant parce que du coup j'oublie un peu comment faire ça ou ça par exemple. C'est un peu chiant. Je sais même pas si je passe par le... Non. Mais... Monte. Ah, j'ai pas le griffe rapin, d'accord. Salut. Alors, 4 feuilles vertes. Putain, je t'ai défoncé, mec. J'ai plus de place. Oh, mais c'est chiant. En 20 minutes, on a plus de place déjà dans le truc. Allez, une, puis deux. Et deux autres qui sont là-bas. Ok, on est 3 shots. Tire à la tête. Ok, j'ai déjà assez de trucs. On peut retourner. C'est un endroit non découvert, d'accord, ok. Un petit camp. C'est bien comme ça, on peut enflammer des gourdins sans utiliser de graisse animale et tout ça. Là. Putain, ils sont deux. J'ai deux shots maintenant. Ah, il est là, son. Oh, ils sont là-haut aussi. J'espère qu'ils sont pas arrivés à la grotte parce que là, ils sont proches quand même. C'était pas à manger. Shaja, Tani Chlauta. Ku Chlauta. Tani. Dubu. Walna Maiska. C'est dégueulasse, meuf. Ah.
Washta. Luhayam, Urush Quapacham. Palhubayatar. Wool. Hearse. Udam. Salwa Tija. Uanna. Winja Waida. Uhai Padas Shwana. Ok. Ok. Masi shashautan waida takar. Usayish wada. Hachauha. Alwa. Terminé. Wow. Ok. Amenez Tensei le shaman à votre village. Il vous apprendra à apprivoiser les bêtes et à appeler une chouette. D'accord, on y va. Oh là là, c'est loin, c'est à 1000 pas. Bon, je coupe et je vous retrouve là-bas. Alors, je reprends ici, parce qu'il y a un bûcher, c'est une sorte de camp comme on avait avant. Et en gros, il faut tuer les ennemis qui sont autour. Puis, enfin, s'il y en a. Puis enflammer le truc en fait pour dire que ce camp est à nous et après on peut venir ici. Tu peux allumer mon truc à travers ça? Allez hop. Je sais pas pourquoi il y avait pas d'ennemis. Bon là il y avait personne, ça veut dire, mais voilà. Bientôt il y en aura. Donc on pourra se déplacer rapidement ici, se soigner, enfin faire des trucs comme ça. Pour vous capturer un bûcher, vous n'avez plus qu'un nouveau point de déplacement rapide. Vous pouvez aussi utiliser le déplacement rapide pour retourner à votre village afin de construire ou améliorer les huttes. D'accord, il nous spoil. D'accord. Cache de récompense. Ils veulent rien prendre. Je suis déjà plein. Là, je peux. Ok, bon, bah. Allez, on continue. Bah, du coup, je vous recoupe encore. C'est assez loin. Ok, alors je suis arrivé chez lui. J'ai pris une compétence barre de vie et voilà, comme ça je vous le dis. D'accord. Mon mandat. Guaita Walshnar. Walshnar. Ah, Tinsai Hassan. Walshnar Uyikala. Hart. Nasa. Tigri. Uguamda. Mu Salwa Padawaida. Uhaita. Tinsai. Nay. Nay. Jassa! Ujassa da! Hassan! Ashai Baja! Ugui fas wasnas pavi! Upavi taka! Upavi!
c'est dégueulasse. Ok. Vision bestiale. Pas courir. Tu nous emmènes où, la mec? Tornade d'oiseau. Clay Venus. Je pense que c'est un truc comme... comme quoi, il veut nous apprendre à dompter des bêtes. C'est pour ça qu'on fait ça, je pense. Ouais, voilà, apprivoiser déjà. Doche. Non, lui, il veut pas. Ah, si, il veut. J'avais déjà vu des séquences de gameplay avec le hibou. Enfin, je sais même pas si c'est un hibou. Je pense pas. Hein. Je pense pas que c'est un hibou. Je sais pas en fait. Mais genre, on l'envoyait au-dessus des camps là, comme tout à l'heure. Et en fait, il pouvait faire des attaques aériennes et tout. C'était assez. Ouais, c'était une chouette. Ouais. C'était assez bien. Guarpati. Shras! Uai, Guarpati! Ubargo shayu tusi daha. Usai, ti yudi yauga daha. En tout cas,
Enfin, les acteurs du doublage, ils ont dû se faire chier à apprendre ça par cœur. Enfin, peut-être pas par cœur, mais à réciter ça sans problème. Faran habandata. Kubal sanguar habanda magata. Ulaukawal waida walkwaswan. Aywa si barwashayu. Tushida hamagata. D'accord, mais toi tu veux pas venir, t'es sûr? C'est juste devant, ok, c'est pas très loin. Ah, on se casse, vous ne nous avez jamais vu. Ah, toi, bonjour. Laisse-le, putain. Hop là. Là par contre on n'a plus rien du tout comme... C'est des alliés en bas. On n'a plus d'indications. C'est quoi la map? C'est pas ça, c'est ça. Traiter un des loups et apprivoiser. Oh putain, c'est long en fait. Bon, je vous retrouve là-bas. Ok, je suis arrivé à la tanière des loups. Trouvez le chef de meute des loups et apprivoisez-le pour qu'il se batte à vos côtés. Oh, damn wild one. I have to. La chouette, appuyez sur W pour appeler votre chouette. Votre chouette peut marquer les ennemis qu'elle repère en volant. Vous pouvez aussi utiliser votre vision chasseur. Ok, ouais, c'est d'accord. Bon, on va l'appeler. D'accord. Larguer bombe. On les a pas. Ok, bon, on va se faire trois mecs. Évidemment, ça a bougé. Ah. Toi, t'es l'eau, alors je vais utiliser toi en premier. Ok. Ok, voilà. Ah, ça brûle. Des appâts. Alors.
D'accord, donc c'est par là. Ouais, il est là, le loup blanc. Un pâté, après vous avez des bêtes. Alors, vous pouvez sélectionner des appâts dans la roue des armes. Maintenez M et sélectionnez un appât. Lancez des appâts pour attirer les bêtes. Pendant que la bête mange, approchez-vous doucement, puis maintenez E pour l'apprivoiser. Appuyez sur B pour voir vos bêtes apprivoisées. D'accord. Alors, M. Oh merde, j'en ai créé un. Chut, 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 chut. Ah. Je savais bien, en fait t'étais qu'un chien. Ça serait trop con. Vous pouvez ordonner à votre bête d'attaquer une cible ou d'aller à un endroit précis. Visez avec clic droit et appuyez sur G pour donner un ordre. Si votre bête est blessée, approchez-vous et maintenez E pour te soigner avec de la viande. What the fuck? Si votre bête meurt, vous pouvez la réanimer dans le menu bête ou en apprivoiser une autre. D'accord. Alors, les compétences. J'ai un point. Ça se débloque tout seul. On va mettre la map qui s'étire de 50 de plus. D'accord, j'ai vraiment plus de place, c'est chiant. Faudrait monter plutôt. Pour que j'ai une vue d'ensemble, c'est ça? Ouais. Alors je vais vite faire appeler la chouette pour... on voit tout autour. Le mec il est tout seul. Si elle est dans le mal, je vais... Oh, j'avais même pas vu lui. Appuyez pour voir le menu des bêtes et trouver les bêtes apprivoisables. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner une bête à appeler ou congédier votre compagnon actuel. D'accord. Genre, tu te dis au loup, allez, casse-toi, c'est bon, il y va. Certaines bêtes certaines compétences de maître des bêtes vous permettront d'apprivoiser de nouvelles bêtes. D'accord. Donc, B. On a tous ces loups déjà? Non, maintenant apprivoisable, d'accord, ok. On peut prendre tout cela et tout cela. Ça serait bien celui-là. Le dent de tigre là. Dent de sabre plutôt. Hop. Maître des bêtes terminé. Et ben voilà. Hein? Daniel. Je vais te caresser, Daniel. Ouais, t'aimes bien ça, hein? Voilà. Oui, je sais, ça, tu me l'as déjà dit. Ah, il a rejoint notre village, d'accord, le mec, d'un coup. Voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit j'aime et un commentaire, ça me ferait plaisir. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, salut, Daniel.